oui, bien. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà le micro, bonjour. Oui, bonjour. Je t'ai fait quoi? Rien du tout. Je suis là, tu viens passer devant moi. Parce que votre visage me plaît. Toi, tu brûles le feu en circulation. C'est normal, c'est pas le feu. C'est normal, c'est ce qu'il dit. Non, évitez ça. On ne brûle pas le feu en circulation. Quand il est au rouge, on marque l'arrêt. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir le public? Ja, Asmaot, tu es... Attends, Ja, tu es chorégraphe. Hey, bon, j'ai trop de talent. Ah ouais? Oui. Chorégraphe? Mon cher, je suis chanteuse, je suis chorégraphe, je suis animatrice, je suis communicatrice, je suis tout ce que vous voulez. Ouais. Ouais, et la cerise sur le gâteau, c'est que... Elle est à Poutchou, tout simplement. Tout cas, très heureux de vous retrouver. Le bruit, il a commencé par ici. Vous faites bien d'être des nôtres. On souffle un peu et on revient juste pour poursuivre, bien sûr, sur cette lancée-là. Du bruit, il y en aura énormément en ce samedi dans la télé s'amuse. Un autre... En fait, ce monsieur-là, faut qu'on voit son cas. Toi qui? Comment tu vas? Ouais, je vais bien. Bien? Ouais, tranquille. Bien de bien? Ouais. Ça se sent? Ouais, ça se sent. Aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il est frais aujourd'hui. Pourquoi? Mais il est frais. Toujours frais. La dernière fois, il m'a choqué ici, là. C'est pas un choc. Je t'ai pas choqué, j'ai dit la vérité. C'était quelle vérité? Elle a dit non, tu es frais aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est aujourd'hui là qui était le problème. C'est ça en fait. Ça veut dire qu'habituellement, tu n'es pas frais. Non, comme aujourd'hui, c'est un quotidien. Yes. On va accepter ça comme ça. C'est ça. C'est ça qu'elle a. Je t'ai dit, je suis au sérieux deux jours là. C'est normal. Tu as raté quelque chose. Tu es passé à côté de quelque chose. Alors, dis-nous, c'est quoi les nouvelles que tu as pour nous? Aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles. Bon, Kapala se porte bien. Il faut dire que à Kapala... Kapala, côté résidentiel. Résidentiel, toujours VIP. Mmh. Ouais, j'aimerais qu'on applaudisse d'abord pour Kapala. Les habitants de Kapala ici. En fait, ce qui m'a découragé un peu hier, j'étais assis dans un glacier et puis il y a un monsieur... Il y a un glacier à Kapala? Oui, oui, on a un glacier à Kapala. C'est vrai où? Oui, mais seulement que c'est un club d'amis. C'est-à-dire? Donc, si tu veux découvrir... Tu te colles à moi, je t'amène là-bas. En fait, ça me surprend qu'il y ait un glacier à Kapala. On a un glacier. On a les glaciers, très souvent, c'est au centre-ville, Kwame Nkrumah, sur l'avenue Warib Mdien à Koulba, Ouagadougou, Padoua. Tsongnaba. Mais juste pour te dire que Kapala aujourd'hui n'est pas le Kapala d'autres fois. Mmh, hoppa! Donc, oui, on a vraiment des bons endroits de divertissement. Mmh. On ne va pas citer de nom. D'accord. Mais exemple, je vous invite. Exemple glacier. On a glacier, on a des caves, on a tout également des degedrom, tout ça. De quoi? Des degedrom. Degedrom. Oui. D'accord. Gapaldrom. Paodrom. Achekodrom. Paodrom. Non, là, il n'y a pas ça là-bas. Ah, d'accord. Alors, donc, tu disais... Donc, je disais... Le monsieur est venu avec sa copine, ils étaient assis, moi j'étais juste à côté. Et puis le monsieur dit à sa chérie, ah bébé, il n'y a pas shawarma, il n'y a rien, si ce n'est pas kebab. Elle dit non, elle n'aime pas kebab là, à cause des os. Alors que moi ça m'a surpris, elle dit kebab à elle, les os. Juste le pain, un peu de... Tu vois un peu, Asmao, explique un peu le kebab c'est quoi. Pardon, il faut continuer. Ah, elle ne connaît pas. Tu vois, grâce à Kapala, vous allez connaître des choses. On applaudit encore pour Kapala. Asmao connaît pas de bœuf. Donc, pour aller encore chez le voisin, tu sais, c'est la rentrée. Donc, il faut réviser les cours, tout ça. Donc, il y avait un exercice. Sur la ligne, ils ont écrit 10 fois A. Mm-hmm. Deuxième ligne, 10 fois B. Mm-hmm. Troisième ligne, 20 fois C. Donc, okay. C'est juste pour travailler un peu la prononciation de l'enfant. Donc, il faut juste dire A, 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 A. 20 fois. Au moins 20 fois. Ou bien 10 non, fois. 10 fois. 10 fois pour les A. A, B. B, 10 fois. Bon. D'accord. Au fur et à mesure. Donc son ami est venu le rendre visite. Il lui dit, toi là-même, tu ne vaux rien quoi. Mm. Il dit, aïe, pourquoi tu dis ça? Tu te fatigues. Il dit, mais si c'est toi, tu as fait comment? Il se cale, il dit, Aramba.
Seramba. Béramba. Déoussoko. Le papa de l'enfant était derrière. Il a giflé le petit là. Actuellement, il a Yalgado. Tu sais pourquoi je me suis assis, non? Non. En fait, ton appel est trop dangereux. Mieux vaut que je m'éloigne de toi, parce que au risque de devenir comme toi, parce que tu as des tendances bizarres, tu vois. Et si je fais pas attention, tu vas déteindre sur moi. Donc je préfère en tout cas m'éloigner un peu de toi. Bizarre. Vois, non? Mais je veux. C'est bon. On a fini avec les nouvelles. Non, bon. Chef, je parle plus, hein. C'est bon. Samedi prochain, tu vas donner les autres nouvelles. Y a pas de souci. C'est quoi? À ce moment, on dit quoi? Ouais, je vais bien, je vais super bien, Guy. Aujourd'hui, dans tout cas, je suis dans mon élément, elle est dans le bruit. Moi-même, j'aime le bruit. Tu peux quoi? La robe. On va dans le bruit à robe comme ça? Mon cher, on va dans le bruit avec tout. Définis la robe là. C'est une robe simple, c'est une robe Ardies. Hein? Voilà. C'est la marque de Apuchou. Ah bon? Donc, je suis là pour valoriser un peu les femmes rondes. Hein. Tu vois, ça cache mais un peu les choses. Mais la plupart, il n'y a pas Apuchou. Hein. Mais ça monte les choses. Allez, là que. On dirait que kilo de Apuchou a diminué. Hein. Non, c'est quoi, je suis seule. Ouais. Y a pas... Non, il y a ma chérie qui est derrière. Où elle est? Elle est verte. Voilà, chier. Ah, bébé, viens. C'est bon, hein, je dis rien. Chocoya et tout ça, tu vois, non? C'est bien dessiné. Tu veux lui parler ou bien c'est bon? Mais non, c'est bon. On va parler avec elle après. Oui, oui. D'accord. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore, s'il vous plaît? Elle a les choses bon, il faut là où il faut. Ah bah, elle est là, ta. Elle s'appelle assez tout. Elle a tout. Oui, elle a tout. Oui, oui, oui. Assez elle a tout. Elle a tout. Allez. Assez de tout. Assez de quoi? Assez de non, tout. Non, non, elle a tout. C'est pas ah, comme ça. C'est bon. Assez et puis tout. Et elle puis a tout, elle a. C'est comme devant, ça. Derrière. C'est bon. Allez, nous sommes sur ce plateau avec nos amis du Maquis, le Parc des Princes. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Parc des Princes? Également, nous avons Galaxy Payotte. Et puis, nous sommes également en compagnie de Sunongo International. Voilà, donc, c'est ensemble hein, qu'on va passer ce moment. On l'a dit ce samedi, on l'a présenté comme étant le samedi du grand bruit. Oui. Maestro, quitte là. Tu nous bats la voix. Merci. Sors. Où vient, Francky? Oui, oui. Voilà. Calo, chez aujourd'hui, le là, on ne parle pas de tampouille, on parle de carpa. Sors. Tampouille n'est pas la mode. Allez, nous avons des artistes avec nous. Ceux-là même avec qui on va faire sonner le bruit là comme pas possible quoi. Et même voilà. Ils sont inspirés. Et même ils sont tellement inspirés qu'ils ont ils décidé de nous mettre en tout cas plein les oreilles. Et ça sera une sorte de découverte pour l'ensemble de ces artistes-là, on va le dire comme ça. Car ils viennent nous présenter officiellement de nouveaux projets. Le premier d'entre eux était avec nous il y a quelques semaines ou quelques mois de cela. Voilà, ça a été un bon moment passé avec lui. Et là, il est revenu avec une autre casquette. Voilà, parce que la dernière fois, il avait la casquette de l'interprète. Là, il est venu avec celle de l'artiste confirmé public. On va recevoir, sous des ovations bien nourries, Déodacé. Merci de l'applaudir, notre très cher Déodacé. Francky, y'a quoi? Pourquoi il rentre comme ça, Francky? Il rentre comme ça, pourquoi? Je ne savais même pas que c'était lui. Francky, j'aime pas ça. Quand la fille est venue, t'as mis Apuchou. Non, en fait, il m'a corrompu, ce gars. Comment ça? On était ensemble avant l'émission. Donc, on va reprendre ça. Tu vois, pas, puis on reprend. C'est quoi ça, Francky? Tu vois, la fille est venue, t'as mis Apuchou. Non. La fille, elle est venue. Ah! Attends,
à cause de ça. C'est fait de phase qu'elle a là. Tu as failli tomber ou bien c'est une phase? Dans le micro. C'est phase. C'est ça. Frankie, il ne fallait pas mettre. Sérieux. C'est ça. Frankie savait. Le second, c'est bien sûr un jeune artiste à plein de talents pour qui nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'estime. Il est venu avec un titre où il parlait de son... de sa doudouni, ouais. C'est ça non? C'est ça. Voilà, et là il revient, il parle encore d'amour, avec notamment un nouveau titre qu'on découvrira ici ensemble. Pour l'heure, on va le recevoir comme il se doit, lui c'est LT. On dirait qu'il y a des choses qui sont passées. Non, attends. Il y a des choses qui sont passées. Quoi? Parce que la dernière fois, c'est LT un peu de façon. Mais là, tu viens et puis tu es. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Je me suis entraîné. Doudoumi a fait le travail. A fait le travail. Ah ouais. Merci donc de l'applaudir. LT, bientôt là. Et puis, nous allons dérouler le tapis rouge pour cette belle dame. C'est une élue. Élue de la musique qui fait des merveilles, en tout cas, et qui va émerveiller encore plus. Public, merci de faire du bruit pour l'élu 111. Moi, je sais que l'émission d'aujourd'hui, là, parce qu'il y a les jeux de rien beaucoup, beaucoup, là. Installe-toi. C'est l'autre qui n'a pas fait jeu de rien, mon ami. Bon, là, là. Lui-même, il a failli tomber. Non, en fait, il a fait... Je t'explique. Lui, il a fait jeu de pied. Ah bon? Voilà. Où vient, Déoda? Lui, il a failli glisser. C'est ça, non? Jeu de pied. Délice 11, bonjour. Comment va? Je vais bien, merci, et vous? Ça va bien? Et la Koudougou? Ça va. Ouais. Délice 11, et chaque fois, en deux avions. Inch'Allah, oui. C'est Ouaga, c'est Koudougou, c'est Koudougou, c'est Ouaga. Elle a fait Abidjan récemment aussi. Hein. Oui. Ouais. Ça s'est bien passé? Oui, très bien. Super? Oui. D'accord. On reviendra là-dessus tout à l'heure en tout cas. Alors, le décor, il est planté à ce moment? Oui, le décor est planté. On va se lancer dans le bruit. On va jouer. C'est l'aspect que beaucoup de personnes aiment. Moi, je sais que j'ai les éléments ici qui aiment beaucoup le jeu. Donc, on va juste revenir après le jingle. Personne. Ma chérie, tu peux venir? Mettez-vous là, mettez-vous là. Juste là. Allez. Non, ne t'inquiète pas. Cher ami, viens. Pardon. Bon, attends, viens, viens, cher ami. C'est lui? Oui, oui, lui. Oui, oui, venez. Bon, C'est là. À l'équipe de production. Frankie, attends, ça c'est sérieux. À l'équipe de production. Avant qu'Asmao ne monte ici, là, prenez la peine de vérifier tous ces accessoires-là. Asmao, il y a quoi? Non, mais j'ai rien compris. Bling, bling. C'est là. En même temps, je te retrouve chez la gauche. Mais tu fais comment? Tu as maigri ou bien? Non, mais c'est le sport, hein. Le sport, là, ça commence à marcher. J'ai perdu 2 kilos. Bon, pote. Ou bien, on va garder. On va garder après. D'accord, donc. Voilà. Donc, on va jouer. Le jeu, c'est la chasse au balai. C'est pas la chasse au balai. Non, c'est ça. Il y a un peu laisser courir. Voilà. Mais le nom, là, même, c'est la chasse au balai. Laisse la chasse au balai, là. Courir, là. Attraper, laisser courir. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Donc, venez.
Positionnez-vous, genre, une personne ici. Cher ami, prends le verre là. Comme tu es en verre, toi-même, prends le verre là. C'est assorti. Voilà, ça marche à toi. Non, non. Prenez le rouge là. Moi, j'aime quand c'est assorti. Voilà. Cher ami. Esthétique, quoi. Viens là comme ça. Voilà. Asma haut. Donc, c'est simple. Chacun tient son balai. Et dès qu'on va faire top, tu laisses ton balai, tu cours, tu attrapes ce balai là. Et ainsi de suite. On va faire le tour jusqu'à avoir la bonne personne. C'est, genre, c'est simple, la personne qui va gagner. C'est simple. Ça veut dire que vous attrapez ça comme ça. Hein? Quand, non. Non, non, chérie, non. Devant. Comme ça. Tu as des carpes là? Hein? Ah. Non, on va essayer. Donc, c'est comme ça qu'on tient. Voilà. D'accord. On s'éloigne un peu. On s'éloigne un peu. Voilà. Quand on dit top, mon ami, toi, tu laisses pour toi là. Tu viens attraper pour elle. Ça. Elle aussi, elle laisse pour elle. Elle vient attraper là. Tu attrapes ma chérie là. Ma chérie, tu laisses pour toi, tu viens attraper pour lui. Est-ce que c'est compris? Quand on dit top. Vous n'avez pas compris? Frankie, viens. On a compris. On va vous expliquer. Vous allez mieux comprendre. À ce moment, on prend. Pardon. Si je tombe bien, tu peux t'apporter ici. Bon, qui donne le top? Maestro. Ou bien, Samy Booster, donne le top. vous avez mangé un pote. On dit top, tu dis allez. Mais c'est qui ce Samy Booster? Samy. C'est moi qui ai gagné. Non, il a voilà. Produit. C'est moi qui ai gagné. Voilà. C'est bon, c'est compris. C'est bon, c'est compris. Vous voyez, non? Ouais, c'est bon. Rapidement, voilà. Quand on dit top là, voilà. Vous restez concentré. On lance le truc en même temps. Voilà. Donc, Asma, monte ici, laisse-les là-bas. Ah, ma chérie. Viens comme ça. On ne va pas te pénaliser. C'est bon. Alors, allez comme ça. Devant. Regardez ma main. Regarde mon gars. Ma chérie, tends. Non, recule un peu. C'est pas toi qui dois attendre. C'est le balai qui doit attendre. C'est bon? C'est bon? 1, 2, 3, top! Elle est éliminée. Elle est éliminée. Voilà, donc il reste 2 personnes. 1, ma chérie. Non, va en même temps, c'est pas dit. Va en même temps. Va en même temps. Là. Voilà, faut bien, voilà. On va. Voilà, calmez-vous. C'est bon, c'est bien. C'est la finale. C'est bon? C'est bon, c'est bien. Ça peut aller. Ou bien en cas de remplacer. Ça va aller. Sûr. Tu veux de l'eau? Ça va aller. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Voilà. Mon ami, recule un peu. Recule un peu. Ça, c'est la finale. Mets ça devant toi, mais pas à côté. Devant toi. Tu vas pouvoir l'attraper là, non? Mets ta main un peu en haut. Là, ça pas t'en. Voilà. Voilà. Mieux. Donc, 1, 2, top! Attention. Ça là, qui a gagné? Ça là, qui a gagné? C'est la fille. C'est la fille. Faut m'énerver. C'est la fille qui a gagné. Mon ami, tiens. Voilà. Merci de venir à la télé, s'amuse. Mais ce que tu vas faire, comme tu es galant, tu vas remettre ça à la fille. Là. Ou bien, voilà. On peut l'applaudir, notre ami. Voilà. Il y a des volontaires? Vous trois, même venez! Vous trois, venez! Venez ici, vous trois! Venez ici! Allez! Moi, tiens, les trois! Quoi, les talons là? C'est mieux, quoi, les veilles? Allez, les talons là! Quoi, les veilles? Tiens! On est là pour ça. C'est pour toi. Voilà. Elle recule là-bas. Elle tu recules. Vous avez vu comment ça se passe, recule. Non? C'est bon. Maestro, calme-toi. C'est pas loin. L'élu, un peu ici. Deoda, un peu. Voilà. C'est bon. Non, comment? C'est bon comme ça. Non, c'est loin. Vous êtes. Viens un peu.
Là, c'est bon. Voilà, c'est bon. Vous avez compris le principe. Pas besoin d'expliquer encore. Donc, vous me suivez. Quand je dis top là, en même temps, toi, tu viens là. Lélu, tu vas à la place de Déo. Lui, il vient là. Déo vient à la place de LT. LT vient à ta place, c'est tout. C'est tout. Non, c'est bon. On peut commencer. 1, 2, et quoi? Top! Les gars, c'est pas possible quoi. Les gars, c'est pas possible quoi. Déo, qu'est-ce qui va marcher? Il a fait des vestes. Attends, elle, si je viens un instant, Déo, qu'est-ce qui va marcher? C'est la veste là. Elle, qu'est-ce qui va marcher? Non, en fait, c'est une jolie fille. On était un peu perturbés, c'est à cause de ça. Garçon, tu fais ça. C'est la galanterie. Ça cause de ça. Sinon, non. Ah, deux gros gaillards comme ça. Tu vois. Et puis la galanterie oblige. Fallait qu'on la laisse gagner. Non, c'est à cause de ça. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on va faire pour ce qui est de la suite, on va aller en musique, n'est-ce pas? Voilà, l'instant pour nous. Donc, on a dit, c'est le bruit. Donc, il n'y a pas de temps pour trop parler, pour rendre les choses assez longues. Non, non. Comme on dit chez nous, il ne faut pas rendre long ce qui est court. Tout est urgent. C'est ce qu'on a dit. Allons vite. Même dans le bruit aussi, allons vite, tout simplement. On a dit, ça sera donc l'instant découverte pour ses différentes prestations artistiques. Et lui, il vient donc pour nous présenter de façon officielle, et on va dire en exclusivité, c'est la première télé déjà. Sur les radios, ça passe encore? Pas encore. Voilà, donc nous sommes des privilégiés. On va donc ensemble recevoir sur des ovations bien nourries pour sa prestation et nous faire découvrir donc ce qu'il a dans le ventre. Public, on va se tenir debout pour apporter de la force à notre très cher ami Déoda C. Sur la terre, pour moi t'es la deuxième plus belle, car la toute première c'est ma mère, et elle te valide, c'est l'essentiel. Je me noie dans tes yeux, c'est ma voix, c'est merveilleux. Non, je ne doute même pas, moi j'ai fait mon choix, tu es à moi, je suis à toi, et ma moitié. Depuis le berceau, fidèle allié, jusqu'au tombeau de ma moitié. Depuis le berceau, est ton allié. Quel beau cadeau! Allez, vas-y, bébé, viens. Donne-moi ta main, que je te passe la main et que je sois tien. Mets-toi que c'est le lien et que je suis tien. Chante avec moi ce petit refrain. Now tu es à moi. Non, je ne doute même pas. Je ne doute même pas. Moi j'ai fait mon choix. Moi j'ai fait mon choix. Tu es à moi. Je suis à toi. T'es ma moitié. Depuis le berceau, fidèle allié. Jusqu'au tombeau, t'es ma moitié. Depuis le berceau. Quel beau cadeau. No one like you. I just want to be loved by you. I just want to be loved by you. No one like you. Baby, you're only you. Yeah, yeah, yeah.
Mao. Bien, merci beaucoup. Asseyez-vous. Voilà. C'est bon, ça va? Ou bien tu as besoin de respirer? Non, ça va. Ça va. Oui. J'ai dit où? Oui. Comment se fait-il que dès que tu es monté, tu es allé en... C'est qu'il avait les vues. Bon, j'explique. Oui, explique. Tu vas expliquer. Voilà pourquoi tu as posé la question. Non. Laissons la chanson là même. Quand parlons de ta prestation. Quand je suis monté, c'est elle qui m'a... Elle m'a paru plus attachée à la chanson. Donc, je suis allé directement là-bas. Donc, tu as deux personnes attachées. C'est laquelle? C'est elle-là, non? Oui. Attends, à ce moment, attends. Attends. Déo. Attends. Oui. À ce moment, attends. À ce moment, attends d'abord. Je m'arrête ici en même temps. Oui. Lulu. À ce moment, tiens. Elle est captivée comme... Attends. Faut prendre... Déo. Oui. Comment oui. tu es parvenu oui. à savoir qu'elle a été captivée par la chanson? Elle s'est dit que tu es un détecteur de captation. Voilà. Oui, j'ai ce talent-là de détecter. Bon, détecte. Détecte. Non, tu dois aider. Hein? Je ne vais pas continuer. Je ne vais pas continuer. D'accord. Ma chérie. Il dit, tu as été captivé par la chanson. C'est vrai. En fait, elle ne parle pas haut. En fait, c'est à travers le regard. Donc, la chanson ne t'a plu. Tu te sentais. Oui, c'est juste quand tu l'as attrapé là-même. Attends. C'est la chanson, c'est la voix ou bien c'est lui-même? C'est lui-même. C'est lui-même. Alors. En tout cas, tout est urgent. On va faire mal à les amis Bibi. Only You, c'est le titre de cette chanson. Effectivement. Sorti officiellement. Depuis combien de temps? C'est depuis le 12 octobre 2022. Depuis le 12 octobre. Ouais. On est le 15 aujourd'hui. Donc, on est le 15, ça fait 3 jours. À peine 3 jours. Ouais. D'accord. On passe d'un cap à un autre. Effectivement. On laisse donc l'interprète. Oui. On devient auteur-compositeur. Effectivement. Je signale que le clip n'est pas sorti seul parce que c'est sorti avec un maxi de 5 titres dans la chanson. D'accord. Inclus. Voilà. Il n'y a pas de souci, en tout cas. C'est quoi l'objectif derrière? Déjà, il faut dire que Deoda, c'est un rêve et c'est de devenir une star. Une star. D'accord. Et l'objectif, c'est de faire découvrir ma chanson, mon talent à travers le monde entier. Voilà. Ça marche. Merci d'applaudir pour Deoda C encore, s'il vous plaît. Et on va donc te souhaiter plein succès et bon vent, Asmao. On joue encore. On joue encore. Avec public ou avec nos invités? Ah, le public. Non, on va faire un truc. On va mélanger. Public et invité. Venez. Non, je n'irai pas derrière vous. Voilà. Elle t'y vient. C'est bon. Bien. Voilà. Alors, on va jouer. Et comme vous le savez, avant qu'on joue, on a bien évidemment notre petit jingle. Allons pour le jingle jeu et on revient juste après. Bonjour, comment vous allez? Ça va. Présentez-vous. Bon, je me présente Nakulma Safi. Je qui viens habite à Kalgonde. Voilà. Qui est à Ouaga depuis un mois. Voilà. En fait, en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui nous ont suivis hier, elle a appelé pendant l'émission. Elle ne voulait pas donner son avis. Hein. Mais son papa lui a expliqué que les coqs là, leur chant a une signification selon l'heure à laquelle ils chantent. Donc quand un coq chante à 4 heures... Non, je ne sais pas ça, vous m'avez mal compris. Ah, en fait. Ok, donc expliquez-nous. Ok, bon, je suis en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire. Bon, je suis venue juste pour continuer les études supérieures ici, au Burkina Faso. Je suis burkinabé, je suis l'une de vos sœurs, mais un peu... Non, c'est chez toi, okay. Laisse un peu les mains là. Donc, papa m'a dit que chaque cri d'un coq avait une signification. Pourquoi il le disait? C'est que des fois, on peut être assis en famille et puis un coq qui vient
et il se met à crier. Mm-hmm. Je mets à crier. Oui. Donc c'est en fonction de ça que papa nous disait de prendre un caillou ou quelque chose pour le chasser de là. Mais on ne savait pas pourquoi. Il ne nous disait pas la raison. La raison. D'accord. De laquelle. Alors c'est en rapport avec bien sûr le thème d'hier tout simplement. Merci d'applaudir pour elle s'il vous plaît. Parce que après son intervention, elle a demandé comment on fait pour participer à l'émission. Et puis aujourd'hui, elle est venue. Non, c'est la curiosité. Oui, oui, on sait. Vous êtes curieux aussi, vous voulez participer. C'est ouvert, c'est tout. Voilà. Alors, on va jouer ensemble, d'accord. LT, c'est simple. Simple. Rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. Safi. On appelle ça le jeu des mimes. Des images vont apparaître sur nos écrans. D'accord. Et chacun d'entre vous va faire deviner l'image à l'autre à travers des mimes. On ne parle pas de bruit. C'est-à-dire que, à ce moment, mettez-vous à côté. Mets-toi à côté, Elti. Mm-hmm. Mets-toi à côté. Asmao se met là, à ce moment en haut. Et moi, je fais face à Asmao. Okay. Simplement. Asmao voit sur les écrans. Moi, je vois ce elle qui voit est les là. Images qui mm-hmm. apparaissent. Et elle devra donc me faire deviner. Il s'agit de quoi? Prenons un exemple. Fais-moi deviner quelque chose. Achoukou. C'est ça, non? Oui, c'est voilà. Ça. C'est bon? On a compris si le principe. Là, vous pouvez courir, c'est aussi sauter, simple, hein? Danser, on parle ce que pas, vous voulez, mais on parle pas. On parle pas, on fait pas de bruit, c'est que les gestes. Voilà. On est parti. Allez, nous sommes donc partis pour la seconde image. Et cette fois-ci, c'est Safi qui va devoir faire deviner l'image donc à notre très cher LT. Safi, l'image elle apparaît maintenant. Est-ce qu'on l'a? Oui. Allez, vas-y. Un bébé. Ouais. Allez, on continue. Vas-y, on continue. Voilà. Allez. On se positionne. Prochaine image pour LT. LT, vas-y. Vas-y, c'est ça. Non. Le volant. C'est elle qui est un métier. Allez. Un casque. Allez. Un casque grand. Oui, allez. Ça. Dernière tentative. Dernière. Un casque et un ordinateur. Non. Il fallait. C'est simple. Alors, c'est vrai qu'il y a un casque et un ordinateur, mais il fallait plutôt dire un DJ. On peut avoir l'image. Oh. Voilà, un DJ. On va voir, allez. Ben, on change de personne. Oui, merci. On continue. Merci beaucoup. Vas-y. L'élu vient rapidement. On applaudit pour l'élu. Venez sur vous. Monsieur. Voilà. Là, tu montes. Lélie, monte. Alors, on a compris. On a compris le principe, n'est-ce pas? Le principe. On a compris le principe, c'est bon? C'est bon. Allez, donc, l'élu, voici l'image pour toi. Regarde, cherche pour l'image pour l'élu. Voilà. Moi, je ne connais pas ça. Un écrivain? Allez, c'est simple. On souffle pas dans le public, s'il vous plaît. Pétain. Troisième et dernière tentative. Je vois pas. Tu vois pas? Il fallait plutôt dire une gomme. Allez, on change. Alors, voici l'image, donc. Allez, on change. On change. Le micro. Est... On peut voir l'image, mon gracien. C'est le jeu des mimes. Il va falloir faire deviner donc l'image à l'autre. Allez, vous la voyez? Ouais. L'image? Ok, on y va. Dans le micro. Le poids. Comment? Le poids. Le poids. Non, c'est pas le poids. C'est pas le poids. Ok, un sportif alors. D'accord, oui, mais on veut... Un nom. Il y a un nom. Un nom. Voilà. Un nom. Iron Bibi. Allez, on y va. Je pense qu'il nous reste deux images. Oui, bien élu. Il nous reste deux images. On va aller rapidement pour les deux dernières images. On peut avoir l'image, Rogatien, s'il te plaît. C'est la dernière. Qui bon?
Comment? Le piment. Oui, ouais. Le piment. Merci de l'applaudir. Merci beaucoup, l'élu. Voilà, vas-y. Non, restez avec nous, cher ami. D'accord. Comment vous allez? Ça va. Vous vouliez vous cacher? Non, jamais. Vous êtes sûr? Bien sûr. Ah ouais? Pendant tout ce temps, vous étiez passé où? Bon, je suis là, je suis là. Vous êtes là? Mais est-ce que vous pouvez rappeler au public comment ça faisait avant? Pour qu'ils puissent savoir qui vous êtes. Sinon, se rappeler de qui vous êtes. D'accord. Nous, on sait. Maintenant, ils veulent se rappeler. D'accord. Donc, si je veux chanter, ça sera trop long. Oui, en fait. Anaconda, fais le show. Anaconda, fais le show. Anaconda, fais le show. Wata o e commando. On applaudit, on applaudit. On applaudit pour moi. Merci. Oh pipi DJ. Merci. C'était le mythique groupe. Bien sûr. Comment on les appelait? Anaconda. Anaconda DJ. Anaconda DJ. Oui. Voilà. Là c'était un peu. Ça vous parle, hein? Oui. Ouais, n'est-ce pas? Oh pipi, merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. Voilà. Merci de l'applaudir encore. Public. Alors, à ce moment, prochaine halte. Prestation. Hey. Mon cher, on est dans le bruit. Quand il y a l'inspiration, on enlève les chaussures. C'est comme ça. On dirait les gars de Gounguin, des tampons là. Elles sont en fait, elles finissent de chauffer. Ah, on enlève les chaussures. Les vendeurs, non, non. Dis-toi à tampons. Dis-toi à tampons là. Passe-moi haut. C'est l'inspiration. Quand ça déborde là, c'est comme ça. Poursuivons donc avec le bruit et ça va donc permettre à cette belle dame de nous gratifier également de sa sublime voix à travers donc cette prestation super enlevée qu'elle nous donnera maintenant public. On va se tenir debout et donner de la force encore à l'élu 111. Je réussis. On dit tu ne manges plus. On dit tu ne dors plus. Tu es gonflé. Parce que chez moi tout va bien, ça avance. Mon frère, arrête ça. Chacun de nous a son heure à ton tour. Ce que tu fais là, y'a rien dedans. Ma coco, quand je suis là, tu ris et puis quand je pars, tu mets mon ado. On dit tu ne dors plus, on dit tu ne manges plus, tu es fâché, malgré tout ce que tu fais, ça va chez moi. Ma soeur, arrête là, c'est Dieu qui donne ce que tu fais là, y'a rien dedans. Y'a rien dedans, dedans, y'a rien dedans.
Ashcon on the mix, Léon on the mix. L'élu 111, waouh, merci beaucoup, on peut se rassurer au public. L'élu, il n'y a rien, y a rien dedans, c'est ça. Il n'y a rien dans la jalousie, il n'y a rien dans la haine. Et tout ce que les gens disent ne vont pas nous empêcher d'avancer. D'accord. Ça, c'est bien. Waouh. Single, donc... disponible. Parmi tant d'autres, déjà, on va le dire comme ça. J'ai quelques singles disponibles quand même sur YouTube et tout. Sur YouTube. Mais il y a l'album qui arrive bientôt. Oui, l'album Visage. Visage. Ça arrive. On a déjà vu donc le visuel avec trois visages. Oui. C'est ça, c'est trois, non? Trois visages avec des visages dans les débris de verre en bas. D'accord. Ça s'annonce assez fort, hein, quand même. Ah, quand même, ça va faire bientôt 4 ans que je suis dans l'autoproduction et c'est un peu... le résumé de mon parcours jusque-là que j'essaie de transmettre avec cet album-là. Waouh! Merci de l'applaudir encore, c'est public. On te laisse donc souffler, on revient après pour en savoir davantage. Pour l'heure, on va à nouveau jouer. Voici donc l'autre instant jeu après le jingle. Nous sommes de retour, toujours sur le plateau de la télé s'amuse. J'ai les mains chargées, oui, c'est normal. Allez, on va jouer. Manaja, viens. Les gens me fuient du regard comme ça. Je te dis. Venez-vous. Vous venez. Vous allez apprécier. Vous, bon, votre voisine. La voisine, oui. Venez, la voisine. J'ai besoin d'une troisième personne. Non, attends, je regarde d'abord. Tu sais que... Oui, vous qui êtes en haut, venez. Venez-vous, venez. Rapidement. Allez, venez. Venez vite. Allez. On peut applaudir allez. Pour elle. Voilà, merci d'applaudir. Voilà, montez. Alors. Ah, Guy, je suis grané. Arrête ça. Mettez-vous là. Voilà. Non, mon ami, mettez au milieu. Il va se mettre encadrez-le. Au milieu. Encadrez-le. On va jouer. D'accord. Vous voyez les chaises là? Chacun d'entre vous devra s'asseoir sur une chaise. D'accord? Simplement. Ok? Et ce qui trouve sur la chaise, c'est pour lui. Mais vous aurez les yeux bandés. C'est bon? Ça marche. Voilà. Francky, tu peux nous aider à bander les yeux? C'est bon? Vous avez vu où les chaises sont déposées, non? On va vous aider à descendre, d'accord? Ce que vous trouverez sur la chaise, c'est ça pour vous. Ça vous appartient. D'accord? Alors, vas-y Asmao, rapidement. C'est bon? Asmao, je peux les envoyer? C'est bon. Asmao, viens m'aider, ils vont descendre. Bon, je vais juste déposer là. Alors, vous allez être guidé par le public. Le public va vous guider. Donc, écoutez également le public qui vous guidera vers les chaises. Il faut bien d'accord? les guider. Alors, un instant, doucement. Voilà. Il y a une marche. C'est venez, bon. doucement. Descendez. Voilà. Vous êtes en bas. Voilà. C'est bon? Arrêtez-vous comme ça. Voilà. À mon top, vous partez. 3, 2, 1, allez-y. À droite.
Maintenant, là, il danse. Je dis. Il sait pas ce qu'il a pris. Mais il danse. Tu vas danser. Je dis que. Voilà. Alors. Oh. Levez-vous, je vais voir. Voilà. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est pour Manaya, vous. Manaya, c'est pour toi. Regardez-moi ça. Faites face à la caméra. Ah. Habillez-vous. Non, non, c'est pas là. C'est bon. Ces impressions. Quelles sont vos impressions? Parce que c'est vous. C'est vous le grand gagnant. Ouais. Quelles sont vos impressions? Et les gars, c'est en fait, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Vous n'avez pas de mots. On peut l'applaudir. On peut faire un zoom. Merci donc à chacun d'entre vous. Allez, une autre petite virgule et on revient juste après. Je ne suis pas, hein. Sinon on va mettre encore. On va venir à donc il faut garder ça jusqu'à la fin de l'émission. Allez, voici donc l'instant pour nos annonceurs qui viennent donc nous faire part de leurs différentes activités. Et nous allons dans un premier temps recevoir donc nos amis de Sunongo International avec notamment M. Gigma Yakuba qui en est le PDG et puis Ouattara Nicodème. On l'applaudit s'il vous plaît. Alors, avec vous, on parle donc de loterie Visa. Eh bien, chaque année, oui. Les États-Unis ont un programme qu'on appelle Diversity Visa. Ok. Qui donne la chance à de. On change de micro. On va changer de micro. Voilà, merci. Désolé, hein. C'est comme ça. Alors, donc, on parle de loterie Visa. Chaque année, le gouvernement américain organise un programme qu'on appelle Diversity Visa. Okay. C'est un programme pour donner des visas d'immigration et surtout aux Africains qui ont des difficultés à immigrer légalement aux États-Unis. D'accord. Voilà. Et pour cette année 2022 ? Pour cette année 2022, il y a eu un petit changement. Cette année, on ne demande plus le passeport, okay. N'est-ce pas ? Donc, je vais laisser à M. Nicodème qui va donner les conditions. D'accord. C'est quoi les conditions cette année, M. Nicodème ? Alors, très rapidement, les conditions, c'est tout simple. Il faut juste avoir le bac pour pouvoir participer à cette loterie-là. Okay. Ou alors avoir un diplôme équivalent. Donc, venez avec la copie de votre bac, plus 3000 francs si vous êtes célibataire sans enfant. Si vous êtes marié, il faudra venir avec toute la famille. Si vous avez des enfants, avec toute la famille aussi. Et chaque membre de la famille qui s'ajoute paye 1000 francs, tout simplement. Donc, il faut avoir juste le bac ou alors un diplôme équivalent au bac. D'accord. Alors, c'est ouvert de quand à quand? Et où est-ce qu'on peut s'inscrire?
Eh bien, déjà, on va parler à ceux qui sont déjà manifestés, qui sont venus s'inscrire, qui attendent leur numéro de confirmation. Et patience, compte tenu du nombre d'inscrits, mm-hmm. on prend le temps pour déposer les dossiers. D'accord. Et après, on va envoyer donc ce qu'on appelle... Il y a un processus. Donc, voilà. Les choses se font. Donc, ne vous inquiétez pas si, dans les règles de l'art, comme on sinon, il n'y a pas de problème. D'accord. Pour s'inscrire, qu'est-ce qu'il faut faire? On appelle... Pour s'inscrire, nous sommes déjà sur Kwame Nkrumah, en face du supermarché Lisa Market, n'est-ce pas? Et vous allez voir notre bureau, on a écrit l'Outre-Visa. D'accord. Voilà. Et, on vous contacte où Je vais donner... Ok, monsieur Nicodème, les numéros de téléphone, s'il alors, vous plaît. Alors, déjà le numéro WhatsApp, pour ceux qui ne sont pas à côté, ceux qui veulent s'inscrire, qui sont à Bobo, dans les différentes villes, il faudra juste nous envoyer un message sur le 78 81 92 92. Donc, je répète, 78 81 92 92. Pour qu'on vous aide à vous inscrire sur WhatsApp, d'accord. Tout simplement. Et l'autre numéro, c'est le 70 14 60 60 pour nous appeler. D'accord. 70 14 60 60. Ça court jusqu'à quand? Ben, on est là, on n'aime pas donner une date limite, okay, mais venez donc, le plus tôt possible. Ça nous permet quand même de vous inscrire et de ne pas avoir rapidement, tout à fait. Ça marche. Merci beaucoup à vous pour cette information. Je dois ajouter un petit truc. Les familles, s'il vous plaît. En venant, venez avec tout le monde. D'accord. Venez avec toute la famille, le mari, les enfants, voilà. Merci pour cette précision, voilà. Et puis, ben, on se dit à très bientôt. Ça marche. Merci beaucoup à vous. On peut la dire. Alors, nous avons également avec nous, je l'ai dit tantôt en début d'émission, différents publics hein, qui constituent un seul public. C'est comme ça, l'enfant Guy. C'est ça. Voilà. Et nous avons Galaxy Payotte. Casse manager. Manager, reste là. C'est bon. Non, ne te fatigue pas. Mais manager, il y a un micro derrière toi, je pense. Voilà, tu vas l'utiliser. C'est bon, manager? Oui, ça va. Ça va? Ça va. Qui regarde la télé à la maison là-bas? Il n'y a personne à la maison. Et puis tu as rendu maquillage? Voilà, mon. S'il n'y a personne, alors fais le maquillage. Alors, Galaxy Bar VIP, c'est situé où? Le Galaxy Bar VIP. D'abord, il y a le Galaxy Night Club. Ok. Tu s'ouvres de lundi et, pardon, de vendredi au dimanche. Ok. Et il y a le Galaxy Payotte qui s'ouvre tous les jours de 10h à 5h du matin. Donc, à Payotte, là, là-bas, on peut donner conseil. C'est ça, non? Ouais. Maintenant, le côté, là, il n'y a pas conseil. Là-bas, il n'y a pas conseil. À partir de vendredi. Ouais, c'est ça. À partir de vendredi au dimanche. Il n'y a pas conseil. Il n'y a pas conseil. C'est là-bas, d'accord. Voilà, le Galaxy est situé à Tampouy, non loin de la Grande Gare. D'accord. À 10 mètres de la pharmacie Ariel. Ok. Et Angèle, autant pour moi. Manager, oh, bien fait. C'est qui Ariel? Voilà, je vais te parler des secrets. D'accord. Angèle, au Galaxy, chaque vendredi, nous avons une soirée qu'on appelle Bukindi. Ok. Voilà, Bukindi qui nous, comment dire, on essaie de valoriser la musique burkinabé. D'accord. Voilà, au niveau de Galaxy. De Galaxy. Et aussi, chaque dimanche, à partir de 10h, le Zouglou, de 10h à partir de 10h, 10h à 22h, c'est le Zouglou, 100%. Ok, il n'y a pas de voilà. Et au Galaxy, quand vous venez au Galaxy... Vous êtes au Galaxy. Quand vous venez au Galaxy, c'est l'accueil. C'est l'accueil. L'accueil des managers, des hôtesses, tout le monde accueille. Accueil. Les hôtesses, elles sont toutes charmantes, accueillantes, respectueuses, vraiment... Oh, manager. Manager. Ça marche. On va donner le numéro de téléphone. Voilà, je vais ajouter aussi, nous avons des DJ de très grande qualité. On l'a vu. Voilà. Si OPP est là-bas. OPP est manager aussi ou bien non, DJ lui, Maison? Non, c'est, voilà, c'est DJ Maison. D'accord. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone, veuillez nous contacter au 57 28 95 09 79 74 98 79. Merci beaucoup, Cass Manager, merci pour le Galaxy Bar. Alors, vous allez donc vous tenir debout. Hein, nos amis donc, du Parc des Princes, merci de vous lever. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Vous n'êtes pas seul? Non. Vous êtes avec notre très cher ami. Oui, oui. Ah? Oui. Présentez-le. Je veux voir quelque chose. Bon, c'est un artiste, il s'appelle Maïga Makambo. Merci d'applaudir pour Makambo qui nous vient. Alors, on reçoit Makambo parce que Makambo a un spectacle du côté du Parc des Princes. Oui. Déjà, le Parc des Princes est situé où? Le Parc des Princes est dans le quartier Pissy. D'accord. Et dès que vous arrivez, le marché de Pissy,
à quelques mètres après le feu de Pissy, en allant vers la route de Bobo, oui. À quelques cent mètres à votre droite, accompagné d'un calcédral qui est sur sa terrasse. Ok. Ah, c'est en bord du goudron, là. Au bord du goudron. D'accord. Oui. Vous êtes ouvert tous les jours, là-bas? Le parc des pins s'ouvre chaque jour. À partir de quelle heure? De 9 heures. Jusqu'à Oulala. Jusqu'à Oulala. Voilà. Oulala. On n'a pas une heure de fermeture. D'accord. Nous attendons nos clients. Jusqu'au dernier client. Le dernier client. Parce que le client est roi. Même s'il est là pour emporter, on l'attend. Hein? Après, il va emporter. C'est bon. Madame, vous avez un spectacle là-bas? C'est pour quand? Bon, j'ai un spectacle, c'est pour Maquis et Paris les Princes, juste à Pissy, à côté du marché de Pissy. Oui. En fait, j'ai fait un concert au Sinaza, un concert live qui s'est passé juste au Sinaza le 3 septembre. Mm-hmm. C'est un concert de remerciement à tous mes partenaires, à tous ceux qui sont venus m'accompagner. Et à tous les fans. Tous les fans, et puis c'est tout. Merci aussi BFM, merci à tout le monde qui sont venus me soutenir. D'accord. Et les maestros, tout le monde. Maintenant, pour le Parc des Princes, c'est quand? C'est le 28 octobre. Voilà. À partir de quelle heure? À partir de 19h, d'accord. La soirée commence. Sont beaucoup, hein. D'accord. Les milieux de chansons, on est beaucoup. Ça marche, ouais. Mais il fallait que Makobo soit là pour pouvoir confirmer donc, ce rendez-vous-là. Oui. Ça marche. Merci. Maestro, on est en mode calma avec lui, voilà. Et puis, merci beaucoup, Maestro Makobo. Merci. Ça marche. Merci. Alors, on va donner le numéro de téléphone. Francky, numéro de téléphone du Parc des Princes. Le 64 54 29 99. Ça marche. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut s'applaudir encore public? Voilà. Alors, on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé, il faut jouer. Il faut détendre l'atmosphère. Tu penses qu'il faut jouer? Oui, bien sûr. Samy Booster, il va nous rejoindre maintenant. Merci d'applaudir pour Samy Booster, s'il vous plaît. C'est quoi? C'est le mot excité qui me dit. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais attends, calme-toi, cher ami. Vas-y, ça va? Alors, on dit que tout est urgent désormais. Mm-hmm. On va aller rapidement. On va aller donc, rapidement. Voilà, donc, on va jouer tout simplement à un jeu qui va s'appeler Devine ou Imagine mon dessin. Imagine mon dessin, je vous explique tout simplement. Le principe est tout simple. Hein. On va se mettre vraiment en condition, comme ça vous allez apprendre. T'as besoin de 4 personnes. J'aurais besoin de 4 personnes. Hein. On a Galaxy Bar, on a un artiste, on a Sunogo. Je vais prendre quelqu'un de Maki, Parc des Princes. Donc viens, mon ami. Bien, voilà. Voilà. C'est quoi, c'est le gérant ou c'est le manager? Hein? Il est voilà, il est quoi? Voilà. Voilà, ça c'est alors, bien comme ça. C'est bon. On est 4. C'est ça, hein? Est-ce que on va pas, toi viens plutôt. Non, viens non, c'est non, bon. Tu restes là. Je vais t'aider. Okay, cher ami, toi là. Ça marche. Vous alors, mettez-vous là comme ça. Regardez donc ce monsieur, sa nuque. Ok, vas-y. Théo, regarde la nuque du monsieur. Voilà. Oui. Toi, mets-toi où tu veux. Tu es la reine. Tu es la reine. Voilà. Alors, la reine, justement, c'est toi vraiment qui va mener les débats, si tu veux. Parce que moi, je vais te présenter tout simplement une image. Ok. Et l'image que toi, tu vas regarder là. Tu auras, où sont les feuilles rames? Les tu feuilles sont donc, là. Voilà, pardon. Tu auras une feuille qui sera donc là, placée là. Et à l'aide de ton marqueur, tu vas tenter de dessiner l'image que tu as vue, que je t'ai montrée. Tu ne sais pas dessiner.
Qui s'est dessiné? Qui s'est dessiné? Bon, voilà. Galaxy Bar. Galaxy Bar. Hein? Non, ok, manager s'est dessiné. Manager même va prendre voilà. Le tout. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Ah, manager. Donc, manager va se venger. Manager, c'est mon ami. Il va se venger. Alors, donc, manager, je vais te présenter. Rapprochez-vous, rapprochez-vous un peu. Chacun on va placer tout simplement la feuille sur le dos de son ami et puis il va tenter de dessiner ce que moi je vais présenter à Manaja. Donc Deodas, ce que tu dois faire, tu dois pendant qu'il est en train de dessiner, tu dois à l'aide de la sensation que tu as sentir et puis imaginer. Alors je vais aider Samy. Voilà. Je vais aider Samy. On te montre le dessin Manaja. Toi tu connais. Tu commences étape par étape. Voilà. C'est-à-dire que si tu fais un trait. Tu attends, lui il fait. Donc ce que toi tu vas faire dans son dos là, il faut que lui il fasse dans le dos de l'autre. Il faut que toi tu fasses dans ton dos et toi tu fais sur le tableau. Voilà l'artiste. D'accord. Oui. C'est bon. Voilà. On est bon. C'est bon. Un jeu de concentration et de sensation. Donne à Samy. On commence par ça. Voilà. Donc je montre tout simplement au public. C'est bon. Montre au téléspectateur. Voilà. Pour qui? Non, regardez ici. Voilà. C'est bon. Voilà, donc on y va, commence. On les encourage, allez. On les encourage. Vas-y, il a fait un truc. T'as pas senti ce qu'il a fait? Il faut appuyer puissance. Voilà. Allez, vas-y, Deo. Allez. Un instant. Vas-y, Deo. Il faut appuyer. Allez, le pape des princes n'a toujours rien fait. Il faut appuyer. Hein, on encourage Manaja. Vous savez comment il dit. Vas-y. Allez-y. Vas-y, dessinez. Deo, vas-y, appuie, reprends. On n'hésite pas, on y va. Ce que tu ressens là, tu fais ça sur le tableau. Il faut bien appuyer. Vas-y rapidement. Public, on les encourage. Applaudissements. Voilà. On a un souci. Enchaîne de feuilles. Il faut doubler. Voilà, il faut doubler. Il faut doubler. Oui. Vas-y, les pieds, enlever ma vie. Ben ouais. Non, avec tout. Ouais, ouais. Voilà. À ce moment-là, il faut doubler ici. Ok. Double ici. La fête. Bon, quand l'artiste même enlève la tête. C'est bon. On peut y aller. Ok. Le marqueur est de haut. Allez. Oh là là. Allez, on va se calmer. On va arrêter le massacre. Ouais, ouais. Voilà. Parce que là, il y a franchement. On va arrêter le massacre. Faites face. Mais c'est quoi, on attend de voir là. Faites face. Les gars. Chier. Samy, je vais faire face. Voilà, faites face. Ça, t'as pas donné le truc. Donc, le dessin de base. Voici le dessin de base. Voilà ça. Ça dit que Deoda a tellement appuyé. Mon ami du Parc des Princes dit qu'il n'entend rien. Regardez comment on a appuyé jusqu'à regarder. Regardez. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement les raccompagner sous des ovations publiques. Ils ont essayé. Hein, ils ont essayé, mais bon, on va les raccompagner. Il y a des gardiens pour eux. Venez. Des gardiens. Voilà. Pour celui qui est en blanc, ok, pour vous changer. Venez avec, il y en a, c'est bon. Ok, allez, merci public, on va les accompagner. Merci. Allez, merci. On peut récupérer nos marqueurs et puis nos feuilles. On a été inspiré de... Vous n'avez pas reçu le pari, mais bon. Il a vu.
Il faut appuyer. Déo, t'as dit quoi dans le micro? T'as un micro là-bas? Déo, t'as dit quoi? Il a fait quoi? Il dit d'appuyer. J'appuie. J'appuie ce qu'a fait la même. C'est déchiré. Il merci beaucoup, salut. Bon, on a essayé. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, allez. En tout cas. Allez. Alors, ce qu'on va faire, on va donc aller pour une autre petite parenthèse, un autre instant de. On va dire détente. Quoi? De détente, voilà, comme c'est le cas depuis le début de l'aventure. Et on va donc recevoir à présent notre très cher ami Elti pour son titre Ya Runda. Merci donc de vous tenir debout. Et on y va avec Elti, Francky. Un mot. Un mot. Oui. Génial. Génial, ça marche. On rappelle que c'est son nouveau single, en tout cas. Elti, on te souhaite plein succès, bon vent. Merci. On est à la fin. Un mot, chacun. Elti, un autre mot pour la fin. Il n'aura qu'à commencer. Au deuxième mot. On va passer le micro donc à Déo rapidement, Elti. Voilà. Déo, on est à la fin. Qu'est-ce qu'on retient? Un mot. Alors, je remercie. Un mot, merci. Merci. Merci, c'est bon? Bah, merci. Merci beaucoup à vous en tout cas. Et merci aussi à vous qui nous avez suivis depuis 11h30. C'est la fin de ce parcours. On a pris beaucoup de plaisir à le passer ensemble. Alors, pour toutes les personnes qui aimeraient avoir des informations, comment participer à l'émission et autres et tout, il y a le numéro de l'émission. Je dis bien le numéro de l'émission qui s'affiche là maintenant au bas de l'écran. Entrez en contact avec l'équipe de production et vous aurez toutes les informations. C'est vrai qu'on ne donne pas conseil le week-end. Nous, on est déjà dans le bruit. Mais ça, là, il faut que ça rentre. Ce qu'on a dit à la fin, là, faut que ça rentre. Allez, bon suite à toutes et à tous, bon week-end et à très bientôt sur Abertan.